Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau let's play sur Unravel. Unravel qui était sorti en 2016 et qui est un jeu indépendant et qui est édité par EA Games, Electronic Arts hein, plus précisément. Un jeu qui est magnifique, calme, qui nous plonge et bien évidemment dans les souvenirs et bien d'une vieille dame qui apparemment se retrouve un petit peu mis de côté par les membres de sa famille. Et comme toute vieille personne, va se ressasser ses souvenirs à travers des photos, des moments de sa vie. Donc un petit jeu vraiment magnifique. Il y a également un Unravel 2 qui peut se jouer à deux également, qui est vraiment aussi super. Mais pour l'instant, nous allons nous concentrer sur le 1. Le 1 où nous allons faire, eh bien, par chaque épisode, un chapitre de cette histoire. Donc des chapitres qui ne sont pas très longs. Donc ça pourrait être plutôt pas mal, hein, des vidéos qui vont tourner entre 29-30 minutes, comparé à ce qu'on a l'habitude de faire sur la chaîne, ce sera plutôt pas mal. En tout cas, on va se commencer une nouvelle partie et on va découvrir tout ça, donc qui est pour moi aussi également une redécouverte. Mais avant de commencer, n'oubliez pas le petit pouce eh bien, sur la vidéo pour voir si le contenu vous intéresse. Allez, c'est parti, on commence une nouvelle partie. Bien, on commence donc du coup avec donc, cette cinématique hein, de cette personne âgée qui, donc, on le voit sur son visage, est triste, hein, puisqu'elle a l'air d'être seule, nostalgique, puisque les membres de sa famille ont l'air de ne plus trop penser à elle, à vivre leur vie de leur côté sans s'occuper d'elle. Et donc, ma théorie, là c'est une théorie à moi, sa tristesse a fait que eh bien, sa petite pelote de laine rouge qui est tombée par terre a pris vie afin... d'explorer ses souvenirs et essayer de ramener les membres bien auprès de cette vieille dame. Allez, commençons. Donc ici on a un album photo qui pour l'instant est vide puisque nous n'avons encore rien fait du tout dans le jeu. Album photo, vous voyez, où toutes les photos sont craquelées. Donc on va ramener un petit peu de la vie dans cette maison et aussi pour cette vieille dame. Donc comme toute personne âgée, hein, un peu partout chez elle, nous avons eh bien, des photos. Et nous commençons ce premier niveau eh bien, qui s'intitule Herbe folle. C'est parti. Bien, donc nous voilà donc arrivés donc à l'extérieur hein, où nous contrôlons donc le personnage qui s'appelle Yumi, si je ne m'abuse, s'appelle Yumi et nous allons donc parcourir le monde à travers ses souvenirs et à la recherche également de souvenirs à remettre eh bien, dans l'album photo. «
Donc un jeu que je vais redécouvrir en même temps que vous. Hein. Et ça me fait plaisir. Alors. Voilà, direct on nous montre, hein, il n'y a plus de laine. Il vous faut plus de laine, maintenez R2 pour lancer le lasso. Hop. Et nous récupérons donc de la laine qui va également nous servir eh bien, de point à checkpoint. Car si on peut mourir hein, dans ce jeu, si on meurt, eh bien, on réapparaîtra ici. Vous sauterez plus haut et plus loin si vous courez. Donc on est dans la phase tutorielle hein, du niveau. Et c'est un petit jeu apparemment hein, qui est plutôt plateforme. Hein, un jeu à plateforme. Maintenez L2 pour saisir la queue de la laine, puis remontez avec le joystick gauche. Appuyez sur 3 pour sauter. Donc c'est des bases classiques hein, de commandes. Hop. Sur ce jeu de plateforme. Ok. Maintenez R2 pour lancer le lasso. Donc on va se balancer. De plateforme en plateforme, évidemment. Premier souvenir. Qu'est-ce que c'est? Donc un petit enfant qui a l'air de jouer. Peut-être un jeu de cricket. Je ne sais pas plus que ça. Alors les surfaces qui scintillent comme ceci peuvent être escaladées. Utilisez le joystick gauche pour grimper. Donc apparemment on peut grimper automatiquement. Je veux juste voir un petit peu. Appuyez sur 3 pour sauter et R2 pour lancer le lasso pendant le saut. Ok. Hop, nouveau checkpoint. Maintenez R2 pour remonter. Ok. Voilà. Hop. On va faire un nœud ici. Hop. Pour attacher. Alors, c'est ce que je viens de faire. Appuyez sur carré pour attacher de la laine. Essayez de construire un pont. Ça nous fera double pont. Alors. Maintenez le joystick vers le bas et relâchez pour à partir des ponts de laine. Ok. Et ici aussi. Hein. On a fait un. On parlait de cet endroit à droite, mais ça fonctionne aussi. Mais ça fonctionne aussi. Maintenant, le joystick gauche. Ouais, donc ici aussi, on peut. Hein, on a plusieurs possibilités. Hop. Et une petite cabane à oiseaux. Donc, on va refaire un pont. Hein, on le voit, il y a de quoi faire. Un autre pont ici. Ce pommier. J'aime bien le décor qui est vivant hein, avec ces pommes qui tombent. Vous vous souvenez de votre lasso? Maintenez R2 et grimpez avec le joystick gauche. Ok. Ok, on peut encore faire un pont. Hein. Ouais, donc il nous apprend. Donc j'ai encore des souvenirs. Hop, de comment faire les ponts. À moins que. Faut qu'on se balance. Voilà. Alors, comment ils veulent qu'on fasse ça? Voilà, ça, ils montent automatiquement. Hop. Et encore un checkpoint. Orientez le joystick gauche vers le bas et appuyez sur croix pour descendre d'un bond de certaines plateformes. Ok. Et on peut descendre en rappel. Très bien. Aïe, aïe. Vous voyez la laine tourbillonnante, si vous quittez et revenez à ce niveau, vous reprendrez à cet endroit. Ok. Si on quitte le jeu, on réapparaîtra à cet endroit, d'accord.
coup, même si on recheck ici. Ok, ici on a des pommes. Et on voit qu'on peut faire un pont. Donc on va attacher de la laine là. Et on va en attacher ici aussi. Voilà. C'est ces pommes. Voilà. Donc on ne peut pas passer. Hop, et on se dépêche puisqu'il n'aime pas l'eau. Hein. Donc on va prendre toutes ces pommes là qui vont nous servir à faire un pont. Voilà. Nous avons un petit pont. Bon, un pont qui est un peu dangereux quand même. Si vous êtes bloqué, maintenez la flèche du bas pour commencer cette action. C'est un petit secouant. Un petit jeu qui me rappelle quand même un petit peu. J'ai plus le nom, vous savez, le personnage de Sony. Je l'avais présenté en Mardi Découverte. Little Big Planet, voilà. J'ai plus le nom du personnage, mais de le personnage de Little Big Planet. Ça me rappelle un petit peu ce jeu. Alors, ici. Ouais, on peut bien faire descendre ça. C'est par là. Une cloche. Et on n'a pas assez de laine, ah là là. Il va falloir qu'on trouve le checkpoint parce que par moment, bah ouais, il faut trouver ces pelotes de laine qui par moment vont être cachées. Donc un petit jeu aussi qui est par moment à énigme. Là, qu'est-ce qu'on a? On a la pelote ici. Voilà. Nous avons récupéré de la laine. Alors par ici, donc on a les tournesols. Hop. Également, on a quelque chose qui brille là. Hop, le premier secret. Je crois de mémoire, il y a 5 secrets à récupérer. Hein. Pas sûr qu'on les ait tous. Hein. Ils sont quand même assez bien cachés. On va sauter. Eh bien, de tournesol en tournesol et récupérer de la laine. Alors ici, on a un petit vélo d'enfant. Alors longtemps ici, parce que je me souviens de cette énigme, hein, parce qu'elle m'a tellement fait galérer cette énigme qu'elle est restée gravée. J'ai toujours cru qu'il fallait que le vélo passe vite pour casser cette barrière, mais en fait c'est tout bête. C'est tout bête, il suffit juste de monter et de s'accrocher à la poignée. Alors on arrive à un nouveau checkpoint qui nous redonne de la laine. Hein. Heureusement, on voyait le personnage en avait de moins en moins. Alors ici, on remarque hein, qu'on a un secret. Mais qui n'est pas accessible. Alors peut-être pour le moment. On va monter. Hein, et on va se balancer. Puis on va faire des ponts. Comme on a vu précédemment. Au début de ce niveau. Là que je pense peut-être que pour y accéder, il faudrait que je me balance comme ça. On va essayer.
Ouais, ça y est. Nickel. Alors. Donc on a un pont. Hop. On va en refaire un. Et on va aller par là, nickel. Je sais pas si j'aurais peut-être dû l'accrocher. On va le laisser comme ça. Pour se balancer, pour aller en face. Hein. Afin d'économiser de la laine. Voilà. Et on a encore une bribe de souvenirs. Donc une cabane d'enfants avec une petite fille hein, qui joue dedans. Hop, on le récupère. Alors, un checkpoint bien caché. Un cube d'enfant. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On va faire un nœud. Ok. Nickel. Ça va nous faire un pont pour pouvoir déplacer bien ce B. À travers ce bac à sable. Donc un... Alors je sais pas comment vous le disiez quand vous étiez enfant, nous on appelait ça un tape-cul. Hop. Et on va s'en servir eh bien, pour monter si possible. Voilà. Hop. Et on va se balancer. À travers cette balançoire improvisée. Hein. On se retrouve piégé dans ce qui semble être une cabane à outils. Hein. Donc l'ambiance a changé hein, en quelques instants. On va faire un pont ici et on va faire un pont ici. Cet objet va nous permettre de monter et de nous sortir de cet endroit. Je voudrais voir en bas. Si possible. Alors on va détacher un petit peu ça. S'il n'y a pas quelque chose. Hein. Apparemment il n'y a rien. C'est dommage. Là, on a un objet, voilà. Hop. Et on continue notre progression.
Bien, alors on a donc récupéré donc les premiers souvenirs hein, de ce premier niveau. Donc il n'est pas très long. Hein. Alors, donc cet album photo Herbe folle, c'était si beau quand c'était tout neuf. C'est toujours aussi beau même si le temps a changé les choses. Donc on a le droit quand même à des petites phrases un peu poétiques hein, sur le passé de cette dame. Alors. Peut-on voir ce qu'on a débloqué? Voilà. Donc des photos souvenirs. Hein. Donc je pense que ça peut être l'enfance aussi hein, de cette vieille dame. Dans la maison, bien sûrement de ses parents. Quand elle jouait enfant avec bien soit son frère ou même ses amis. Donc on voit les tournesols, hein, fleurs magnifiques. Hein. On reconnaît la balançoire qu'on vient de visiter, mais également ces herbes folles, donc avec eh bien, donc, ces fleurs sauvages, cette faune. Cette faune naturelle. Et ça, ce sera pour le chapitre 2. Et la photo, une photo a commencé à apparaître. Hein, donc je pense que tant que quand le cadre sera rempli de photos, c'est qu'on aura récupéré tous ces souvenirs. Bien. En tout cas, moi j'espère que cet épisode, ce premier épisode sur ce nouveau let's play de Unravel vous a plu. N'hésitez pas à revenir en commentaire donc, sur cet épisode. Hein, à mettre encore une fois le pouce. Hein, et de vous abonner, eh bien si vous ne voulez pas manquer les prochaines sorties vidéo. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous présenter ce premier épisode sur Unravel. On se retrouve très bientôt eh bien, pour l'épisode 2. Et puis, bien sûr, d'autres let's play en attendant hein, le mardi découverte et les lives du jeudi. Allez, à bientôt!